Et bonjour à tous, c'est Falcon Max, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo sur ce premier DLC. Je pense pas en faire d'autres, de toute façon il n'y aurait pas grand chose d'autre à montrer. Là, de toute façon, programme, juste quelques quêtes secondaires ainsi que 2-3 combats de boss. Je suis pris un petit skin Yoshitsune. Ah yes, la première mission du jeu, j'adore. Et en même temps, j'ai fait une ou deux quêtes secondaires, histoire de récupérer le dragon blanc aux yeux bleus, le fameux. Qu'est-ce que c'est que cet esprit? Augmentation des dégâts sur les ennemis électrisés. Électrifiés, donc c'est plutôt électrisation ou électrifié, bref. On peut modifier la langue française un petit peu comme on veut. Attends, c'était de la foudre dans Nioh 1, je me souviens plus. En 7, ça demande quoi? Ça demande endurance et force. Bon bah tant pis, j'en ai pas assez. Et chance, magie et ninjutsu, magie et dextérité. Alors ce qui est cool avec Ho, c'est que on a de la pureté sur les attaques fortes. Ah, un truc en arène, d'accord, ok. J'ai pas d'autre parchemin. Par contre, normalement, mon arme a des dégâts de... a des dégâts de feu, donc... What? Pourquoi il gère... Vous l'entendez aussi? Cette espèce de gigantesque glitch audio. Je sais plus jouer, c'est abusé. J'ai dépensé toute mon énergie pour Yoshitsune, du coup là je sais plus jouer, c'est mort. De toute façon, pourquoi se faire chier hein?
Ah, c'est pas intéressant. Merci. Moi, je t'aime pas spécialement. C'est peut-être pas super intéressant, mais par contre, voilà, nuée. Tazukarimashita, otsuyoki hito yo. Sakura ni mitore, kizukeba, ayakashi ni kakomarete orimashita. Oui, donc oui, je disais, donc oui. Nuée, vraiment pas mal pour éliminer les crabes. Parce qu'en plus, en invocation yokai purement alimentaire, quoique il y a le Mitsume Yezora aussi qui fait des dégâts alimentaires, donc bon. Alors, Eho, à quoi tu ressembles? Ok, d'accord. Comme, comme en plein combat. Sonata mo nagaki ruro no sanaka to mieru. Onogatabi no yukusue, kitto mitsukarimashou. Fais pas le malin, je t'ai vu, tu n'as rien écrit. Ah, on n'a pas cette mission tant qu'on n'a pas les trois poèmes. D'accord, ok. Alors, je vais refaire une petite quête secondaire que j'avais déjà fait avant de lancer la vidéo, le récit des Taira, qui est un petit peu difficile. Un petit peu, enfin j'ai envie de dire... C'est un autre type de difficulté que Yoshitsune. Yoshitsune étant évidemment le truc le plus dur du DLC. Quoi qu'il y ait d'autres missions aussi qui sont intéressantes, mais... Et il y a notamment bah, le NG++, quoi. Mais j'en ferai pas. Puisque là, les seuls trophées qui vous manquent techniquement pour ce DLC, c'est peut-être faire tomber Yoshitsune pendant le combat de boss, faire toutes les missions... Excusez-moi, faire toutes les missions du DLC en NG++, et ça, c'est super difficile, je ferai jamais un truc pareil... Je compte pas platiner les DLC, hein. C'est trop dur pour mon petit niveau. Et quoi d'autre? Et aussi, il faut faire des espèces de missions de poèmes, et de ce que j'ai compris, on n'y a accès que en NG++, donc du coup, tant pis. Thank you.
toute façon, c'est tellement le pire build. Prenez-moi de la corruption, ça ira tout seul. Bizarrement, c'est pas aussi puissant qu'en nous utilise, hein. Vous m'emmerdez complètement. Pas très efficace. Presque complètement raté. Ah. Me faire enchaîner par un crabe, quoi. N'importe quoi. Non mais... C'est quoi ce combo de merde, hein? J'ai pas le match-up. Donc oui, tu voulais me parler, le crabe? Dégage. Par contre, c'est vraiment cool de leur part, quoi. Je pense que je vais avoir déjà dit, mais le fait d'augmenter à ce point le taux de loot des monstres rares, qu'on n'ait plus besoin de farmer comme des crétins. Enfin, même si la différence entre les slimes toxiques et les blobs toxiques et les omnibusons inférieurs reste toujours aussi claquée au sol, mais bon, tant pis.
Alors l'âme du moine guerrier, par contre, il me faudrait un truc plus optimisé. J'ai besoin de foudre, notamment. Alors, donc purification, foudre. J'adore cette attaque. Et voilà, de toute façon, c'est Benkei, hein, vous savez déjà comment le bolosser. Mais par contre, voilà. Normalement, si j'avais vu juste, Benkei vous donne une technique secrète de glaive. Bâton scindable. Vu que dans son set d'armure, il parle d'une technique dont j'ai jamais entendu parler, donc c'est obligatoirement sur Benkei qu'on la récupère. Pareil pour Yoshitsune, pardon. Les années sous le calibre remontent. Pareil pour Yoshitsune qui devra vous donner une technique de double katana ou de katana normal. Ok, parlez à Minamoto Yoshitsune dans le provisoire. Bah du coup, allons-y, allons au provisoire. Mais du coup, est-ce que faut le farmer en mode démoniaque ou est-ce qu'il y a une forme humaine de Yoshitsune? C'est méta de ouf. Génial. Voilà, vous venez d'apprendre un truc. Oui, bon, ok, on va sauter sur la gueule. Mais pour moi, toute tentative de construction de personnage de la part de Team Ninja est vouée à l'échec. C'est... Sur Nioh 1, ils avaient essayé, sur Nioh 2, ils ont essayé avec Tokishiro et étaient censés observer la chute d'un grand homme, alors qu'en fait, Tokishiro, c'est juste un connard et t'as jamais eu envie de te lier à lui. Et Mumio reste immortel, bref, on s'en bat les couilles. Je vois pas pourquoi, moi j'en aurais quelque chose à faire. Le lien de la lame, ouh. Mettre un terme à tout ça, bah ça va, tranquille. Qu'est-ce qu'il me faudrait
Alors, je pense pas qu'on puisse bloquer ces ondes de choc avec Bankai, mais on va quand même essayer. Bon, les Falcons, on se concentre, ce n'est que un buzz de plus. Vas-y. Ah, il voulait pas. Putain, il est giga rapide. C'est tellement du troll parce qu'il utilise la technique de lancer de hachette qui n'a jamais servi à rien, mais il s'en sert quand même. Quoi? Oh, t'es sérieux? C'est nouveau ça. Maintenant. Je suis purifié, d'accord, ok, ça sert à quoi? C'est violence, boss. Elle est des petites talonnettes. Enfin, petites. Samouraï de Genpei. J'ai fait toutes les missions en mode normal. Du coup. Et donc, j'affronterai pas ce connard en NG++. À aucun moment, le moindre coup, il one shot. Bref, ça ne m'intéresse pas spécialement.
Oui, c'est genre. Danse des katanas de Kurama, j'imagine que Synthénique a farmé sur sa gueule. Et la flûte sémillore, vous l'avez déjà obtenue, souvenez-vous, dans la première fois où vous l'avez affrontée. Eh bien, voilà, on est à quelques... Attends, j'actualise l'autre vidéo, parce que je l'ai vraiment juste en deux parties, du coup. Détail, 1 minute, 25 minutes de quête secondaire. Bof, ouais, de toute façon, vous savez affronter Yoshitsune. Si vous avez réussi à affronter la première version, c'est pas cette version-là, en particulier, qui va vous donner plus de mal, je pense. Quoique, même s'il est plus vénère, il y a une sorte de technique en plus. Notamment son espèce de bœuf de vent, je sais pas à quoi il correspond. Bref. J'espère que ça vous a plu. Bah, comme d'hab, bah, limite, le jeudi ou vendredi, je stream ou je découvre des jeux. Ou même, si ça se trouve, je ferai du stream sur du NG+. Peut-être pas du NG++, mais peut-être juste du NG+. Ça me paraît plus faisable à mon niveau. Parce que j'ai pas envie de grinder. Enfin, ça me saoule de grinder dans Nioh. C'est le concept pourtant. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à dans 3-4 mois pour le deuxième DLC.